Place à l'invité livre maintenant, c'est notre rendez-vous du samedi avec des auteurs à suivre dans la région. Et ce soir, nous allons à Angoulême pour rencontrer l'auteur de bande dessinée, Benoît Pretzey. Bonsoir, vous venez de sortir Les Bonsoir. Têtes minuscules chez Biscotto. C'est votre première BD jeunesse. Pourquoi avoir sauté le pas ? Effectivement, ça fait une quinzaine d'années que j'ai fait plusieurs bandes dessinées qui étaient plutôt dirigées vers un public adulte. Et en fait, il y a 6 ans maintenant, j'ai été invité par les éditrices du journal Biscotto à m'occuper d'une rubrique. Donc tous les mois, dans le journal, j'avais une demi-page. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai pris confiance en me disant que mon travail pouvait plaire aux enfants. J'en ai eu des preuves. Et du coup, là, j'ai décidé de faire un album de bande dessinée en entier pour eux. Et ça change quoi de dessiner et d'écrire pour eux, pour les enfants ? Y a certaines choses qu'il faut pas raconter, comme des choses trop violentes ou des choses sur, par exemple, les relations amoureuses qui peuvent ne pas vraiment les intéresser à leur âge. Mais par contre, pour moi, c'était vraiment important de garder la même étrangeté en fait, qu'il peut y avoir dans certaines de mes bandes dessinées pour adultes, de ne pas faire quelque chose de trop mignon et de trop aseptisé. Donc c'est vraiment un livre dont je suis fier. En fait, il y a beaucoup de questions que je soulève dans ce livre-là qui restent des questions qui m'intéressent, moi, en tant qu'adulte. En fait, je n'ai pas cherché à déguiser mon travail pour leur plaire. Alors effectivement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se lance dans une enquête pour aider une amie victime d'un sortilège. Vous amenez les enfants dans un univers assez sombre, finalement. C'est ça qui vous plaît ? Ça me plaît de les faire frissonner un petit peu, mais après, y a des choses un peu particulières dans cette histoire, comme par exemple le fait qu'il n'y a pas de véritable méchant. En fait, il y a des gens qui font des choses parfois un peu tordues, mais le mal, en fait, est caché parfois dans des personnes qui n'ont pas l'impression d'être mauvaises. En fait, c'est ce genre de complexité que j'avais envie d'apporter, pas trop trop simplifié. Vous êtes basé à Angoulême, où se tient le festival de la BD. Vous êtes un habitué. On va voir des images de vous en 2011. Vous étiez cette année aussi dans la sélection pour votre BD Les Poupées Sanglantes. Ça vous aide à sortir du lot, parce qu'il y a des centaines de titres qui sortent chaque année en BD. Oui, effectivement, la sélection officielle d'Angoulême, c'est quelque chose de très important, même quand on ne gagne pas forcément un fauve à la fin pendant la cérémonie. En fait, ça permet d'être remis en avant, par exemple, dans les librairies. Mon livre « Les poupées sanglantes » était sorti en mars 2020, ce qui était une date assez problématique. On se souvient que c'était le début du confinement. Et donc là, ça permettait de faire en sorte que le public se rende compte parfois qu'il était sorti, ce qui n'était pas forcément hyper évident à ce moment-là. Merci à vous. Merci beaucoup, Benoît Pretzey. Vous sortez donc « Les têtes minuscules » chez Biscotto.